Bonjour, on se retrouve pour un nouveau point de situation en Ukraine au 20 février 2023. Alors, tout d'abord, quelques informations générales. Les véhicules de combat d'infanterie blindée américains qui doivent être livrés à l'Ukraine sont arrivés en Allemagne, dont notamment les Bradley. La France a livré des missiles anti-char Acheron et les fantassins ukrainiens les utilisent déjà sur le terrain. Le groupe Wagner ne pourra plus effectuer de recrutement parmi les prisonniers. Et donc le groupe a actuellement un problème d'approvisionnement avec les obus d'artillerie, puisqu'en effet il dépend en partie de l'armée russe, ce qui crée des tensions avec l'état-major russe. Un nouvel échange de prisonniers a eu lieu, 101 Ukrainiens ont été échangés contre 101 Russes. Les Russes ont utilisé des ballons d'observation au-dessus de Kiev, afin de localiser la défense anti-aérienne ukrainienne. Tous ces ballons ont été abattus. Et en parlant de Kiev, aujourd'hui, le président Biden est arrivé dans la capitale ukrainienne. On se dirige maintenant sur le terrain. Alors, dans le secteur de Louhansk, la seule modification par rapport à la semaine dernière, c'est le village de Rianivka, ici, qui est passé sous contrôle des Russes. Et mis à part cette modification, donc les combats continuent, mais pas de modification sur la carte. Dans la région de Krimina, les combats ont toujours lieu dans ce secteur et dans la forêt au sud de Krimina. Sur Siversk, Bilorivka et Spirné sont toujours disputés. Au nord de Soledar, la ligne de front s'établit sur les villages de Vézelé, Rozdolivka et Fedorivka. On continue sur la ligne de front. Maintenant, on va arriver dans le secteur de Bakhmout, qui est ici. Donc, c'est ici où il y a eu le plus de modifications donc cette dernière semaine. Dans le nord de la ville, le groupe Wagner a pris le contrôle de la commune de Paraskokivka, ici, et a en même temps lancé donc une nouvelle attaque en direction du sud-ouest. Donc il y a actuellement des combats sur les communes de Berkivka et également de Yaïtné. Et suivant les derniers rapports, les unités russes ont effectué une percée entre ces deux villages. Alors ici, je voudrais faire un petit point topographique avec vous sur la ville de Bakhmout. Donc je vous parlais d'une percée russe actuellement qui s'est opérée ici dans ce secteur. Donc on peut se rendre compte que c'est donc une hauteur qui domine la ville de Bakhmout, puisque là on est sur une hauteur de 160 mètres et dans le centre-ville de Bakhmout, nous sommes à 94 mètres. Ce qui est important ici pour les Ukrainiens, c'est cet axe qui passe ici, qui permet provisionner la ville de Bakhmout. Et les unités donc avancées russes et du groupe Wagner sont actuellement à 4 km de l'axe, du dernier axe qui permet d'approvisionner Bakhmout. Dans l'est et dans le sud de la ville, les combats urbains continuent. Les Russes grignotent du terrain. La semaine dernière, je vous ai annoncé qu'un Sukhoi 24 russe avait été touché par la défense anti-aérienne ukrainienne. Ce dernier a tout de même réussi à se poser, malgré les dommages du tir de Manpad. Côté ukrainien, ils ont envoyé des renforts dans la ville de Bakhmout, à hauteur de deux bataillons. Et à l'ouest de Bakhmout, les Ukrainiens ont contre-attaqué donc dans ce secteur et ont repris le contrôle de la ville de Ivanivské, qui se situe ici. Donc la contre-attaque leur a permis de reprendre le contrôle de l'autoroute, qui est ici, et également de reprendre le contrôle de la ville de Ivanivské. Mais pour rappel, le pont qui se situe donc sur cet axe a été détruit la semaine dernière. On continue sur la ligne de front, on se dirige dans le secteur de Donetsk. La ville de Donetsk a de nouveau été bombardée, et notamment une frappe qui a été réalisée avec pas moins de 40 roquettes qui a endommagé de nombreuses infrastructures dans la ville. Dans le secteur de Avdivka, les Russes ont largué une bombe FAB 500 dans le centre de Avdivka, ici dans ce secteur pour être plus exact. Donc, et cette bombe a fait d'importants dégâts parce que c'est une bombe qui est puissante. Au nord de Avdivka, les Russes ont pris le contrôle de Novo-Bakhmutivka, ici. Et les Ukrainiens ont, eux, sécurisé Oleksandropil. On continue. Pas d'évolution entre Opytnie, Vodianie, Pervomaïskie et Nevelskie dans le secteur de Donetsk. Les combats continuent sur Marinka. Les Russes sont en train d'essayer de déborder les défenses
du centre-ville de Marinka, ce qui nous emmène maintenant dans le secteur d'Ouvledar, où les Russes continuent d'attaquer malgré de lourdes pertes. Dans ce secteur, les Ukrainiens ont réussi à détruire un TOS-1, donc c'est un lance-roquettes multiple qui permet le bombardement avec les roquettes thermobariques. Et l'aviation russe est active dans ce secteur, et notamment des Sukhoi 25. Mais sur le terrain, pas d'évolution sur la carte, et dans un dernier rapport, les Russes continuent à attaquer le secteur est de Vouledar. Voilà pour le secteur, et pas d'évolution non plus sur Zaporizhia. On peut noter dans la région contrôlée par les Russes, des renforts significatifs du groupe Wagner ont été localisés sur Melitopol. Et pas de modification de la carte dans le secteur de Kherson. Pas de bombardement en Crimée à ma connaissance. Donc voilà pour les infos au 20 février 2023. Donc en résumé, la ligne de front a peu évolué cette dernière semaine. Les seules modifications significatives se sont produites à Bakhmout, dans le nord en faveur des Russes, et à l'ouest en faveur des Ukrainiens qui ont repris la ville d'Ivanivski. Et les durs combats continuent sur Vouledar. Voilà, mais écoutez, je vous laisse maintenant avec un comparatif de la ligne de front avec le 24 janvier dernier, donc il y a à peu près un mois. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.